fait plus ou moins 6-7 ans maintenant, je suis au Standard. Et depuis la première arrivée de Mehdi Kersela, avant qu'il aille en Russie, la première fois quand je l'ai coiffé, il était assez exigeant pour ses cheveux. Maintenant, il a confiance en moi et il me demande aussi la même chose, des conseils. J'ai été dernièrement au Portugal, je lui ai fait deux petites lignes sur les sourcils, il était super content et il a confiance en moi, voilà. Et depuis là, on fait appel à mes services ici au Standard, voilà. Je vais reprendre un petit peu les poils, si vous voulez, ça va ? Depuis que Yannick est ici au club, j'essaie de venir, de rafraîchir un petit peu. Il y a des joueurs qui ne veulent pas se faire coiffer la veille des matchs, pareil que ça ne porte pas chance. Il y en a d'autres qui se font une petite beauté avant le match. Voilà. Café là, va manger là-bas. J'étais 7 Adema, t'as été le restaurant de Eusebio, non ? Je suis un passionné de foot. J'ai joué au football pendant 30 ans, pas au même niveau que le Standard. J'ai joué en provincial, mais j'en profite, je fais les deux en même temps. Ma passion et mon hobby, le football, en même temps. Qu'est-ce qu'il te demande comme coupe, en général ? Ce qui est à la mode. Des fois, il y a des joueurs qui me demandent des conseils. Et on regarde un petit peu ensemble, on essaie de voir ce qui irait le mieux et ils me font confiance. Depuis que je suis arrivé au Standard la saison passée, c'est Mehdi Kersela qui m'a présenté Abdel et depuis, je change pas de coiffeur. Déjà, quand je suis arrivé, il m'a dit « Ouais, fais-moi confiance, on va faire ci et je pense que ça te plaira ». Voilà, donc dès la première coupe qu'il m'a fait, j'ai tout de suite adhéré. Maintenant, il a l'habitude, il sait ce qu'il faut faire. Voilà, j'ai la coupe du moment, les cheveux sur le côté et raccourcir un peu sur les côtés. Donc voilà, c'est une coupe que j'aime bien et que la plupart des joueurs font. Des fois, ça se passe au salon, par message. Des fois, ça se passe dans mes salons de coiffure. J'ai quelques salons ici sur Liège, ça dépend qui, comment. Des fois, ça se passe la veille des matchs. À force de les coiffer, ça devient vraiment des amis à la fin. Et à un moment donné, des fois, on se voit même au restaurant, pas spécialement pour les cheveux. Il y en a qu'on a plus d'affinité que d'autres. Et à force de couper les cheveux, on forme une certaine amitié avec les joueurs. Voilà, tchou! Ouais, c'est important qu'on s'occupe de mes cheveux, mais bon, on va dire que l'image d'un joueur est importante. Voilà, maintenant, c'est quand je suis sur le terrain, je suis pas là pour faire non plus le mannequin. Donc, le plus important, c'est mes prestations sur le terrain. Il faut être disponible. Les joueurs, des fois, il y a des joueurs qui me téléphonent 2 heures avant. Est-ce que tu sais me couper les cheveux dans 2 heures ? Et je ne fais plus que ça. Mais effectivement, je m'occupe vraiment des joueurs. Voilà, j'essaye vraiment d'être le plus disponible possible. Et maintenant, on m'appelle à l'étranger. Je trouve que c'est une bonne chose et une belle aventure pour moi aussi.